Oui, tout le monde peut changer. Mais pour ça, il faut de la volonté. Il faut persévérer. Même si les débuts sont difficiles au niveau des entraînements, j'ai persévéré, j'ai tenu le coup. Je peux dire que je suis fier. Aujourd'hui, nous voilà devant vous avec mon frère. Nous allons vous dévoiler le résultat final de ma transformation physique en 28 jours. Bon, on y est frère, la 16e séance, la dernière séance bas du corps, séance 4 du programme. Donc tu n'allais pas t'en tirer à si bon compte. Ouais. Je la fais avec toi, on va tout donner, on va se pousser un petit peu à deux. On vous montre ça, on vous retrouve juste après. Super ça. Allez, encore. Bon, la team, là, ça va chauffer. Soyez prêts. Jusqu'au bout. Ah. Ouh. Ouh. Bien joué. Ok, on est bon. Ok, séance terminée. Franchement, encore bravo. Fier de toi. Et on s'est donné à fond. Ouais, et franchement, très honnêtement, c'est vraiment le jour et la nuit. Par rapport au tout début, ouais. Guillaume, il a vraiment un rythme beaucoup plus élevé, tout simplement. Regarder les vidéos, exactement. Plus vite que l'ancien Guillaume, largement. Ça doit te motiver aussi. C'est, ouais, c'est bon, franchement, c'est progrès, c'est très bien. Ça fait plaisir. Hein. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous ont demandé, on a eu des messages pour avoir un peu plus de précision sur les séances qu'on suit et les séances sur la télé et tout. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On vous a préparé un petit truc à ce sujet. Vous allez voir ça juste après. Bon, du coup, Guy, nous, on se voit demain. Demain, vers... entre 14h30 et 15h, ouais, pour vraiment avoir les mêmes conditions de pesée. C'est ça, on fait la pesée, le reveal de ton physique, les mensurations, le débrief. Il n'y a pas de raison que ça soit pas bien. Hein. Ça va aller. Ouais, de toute façon, j'ai fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne, donc on verra le résultat demain, mais je pense que ça va être bien. Donc on va vraiment voir tout en détail et surtout répondre à la question de combien de poids Guillaume a-t-il perdu durant ces 4 semaines. Suspense. One day later. Bon frère, on est parti. C'est un grand moment. On a l'impression que c'est comme il y a 2 semaines. Ouais. On a donc fait la pesée il y a 2 semaines. On était à 84,3. Donc ouais, là, on va voir ce que ça donne. On avait déjà perdu 2,8 kg sur les 2 premières semaines. Donc là, le suspense, on va remettre les petits tambours. Roulement de tambour. Exactement. On les mettra au montage et on monte sur la balance dans les mêmes conditions du coup. À savoir que là, il est à peu près 14h30 samedi et on est vraiment dans les mêmes conditions. 82 kilos tout rond. Ok, on va filmer la balance pour bien montrer aux gens. Mais en tout cas, on a donc moins 2,3 kg. Donc c'est génial. Et au total, on est, si on calcule bien, à moins 5,1 kg. Ouais. C'est vraiment génial, c'est énorme. L'objectif. C'est donc cool. Franchement, en tout cas, bravo, fier de toi. Merci. Et très très content du résultat. Ouais, je pense, c'est cool. Je pense que toi aussi. Ouais, ouais, c'est bon. Là, c'est largement atteint. En tout cas, on va aller faire un petit débrief aussi dans le jardin avec vraiment le reveal de ton physique, donc torse nu, en montrant deux faces de profil, de dos, comme on l'avait fait pour la première vidéo, le premier épisode. Ça marche. Let's go. Ok, donc là, on a une petite visite inattendue du chat du voisin. Donc là, on est 4 semaines après, 28 jours après, Guillaume a fait le boulot. Ça y est. Et franchement, c'est le moment dont j'avais le plus hâte, encore plus que le poids, je sais pas toi, pour vraiment voir le résultat physique, le reveal de ton physique avec l'avant-après en photo et en vidéo. Donc, moi, je suis prêt de voir la première là, et c'est le signe. Bah, carrément, la comparaison. Est-ce moi, j'ai déjà vu un peu au pantalon. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais te... peut-être devoir refaire un garde-robe, mais bon. C'est ce que je pensais. Et est-ce que tu as un petit mot à dire juste avant de montrer la transformation? Ouais, bah, je suis content d'être allé au bout et puis content du résultat. Voilà. Exactement. Ça mérite bien un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas, on compte sur vous. Allez, je te prends ton micro. Et c'est parti pour patienter, les gars. Et oui, je vous laisse encore un peu de suspense parce que je vous connais. Sinon, vous n'allez pas rester jusqu'au bout de la vidéo. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que là, on vous montre vraiment l'avant-après au complet. Mais il y a aussi une grosse surprise, une grosse annonce, donc c'est à ne pas louper. En attendant, on discute encore un petit peu avec mon frère de son évolution, de ses progrès sur ses 28 jours de challenge. Bon,
Alors, que dire à part bravo, Guy. Je te fais un check, le traditionnel check. Franchement, du super boulot. Ça fait super plaisir. Donc, c'était un challenge dont on avait discuté au moment de Noël à table. Mais on voulait le mettre en place. On n'avait pas encore, on savait pas encore trop quand le faire, ni comment le faire précisément. Mais là, en tout cas, c'est fait. C'est plus que validé. Oui, moi, je suis très content du résultat. Ça y est, on l'a enfin terminé. C'est cool. Exactement. Puis ça a très bien marché. Comme on avait dit dans la première vidéo, on l'a fait. On a du coup annoncé des objectifs et ils ont été réalisés. Donc, et tu peux vraiment t'en féliciter. Enfin, au bout de tant de temps, ouais. Je pensais pas si vite, mais tant mieux. Ouais, c'est vrai tant que mieux. 28 jours, ça paraît court. Oui, mais quand on fait les choses bien, au final, ça donne de très bons résultats. Bon, en étant motivé et en étant sérieux, ça fonctionne. Il n'y a pas de secret, exactement. Et c'est vrai que j'ai vu de l'amélioration en tout point. Ok. C'était bien. C'est bien pour ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus, vraiment sur l'état de forme, ce genre de choses? Le sommeil, meilleur sommeil, meilleure récupération, on se sent en forme. C'est très important. Un bon appétit. Ouais. Voilà. Je suis pressé de retourner au five avec les collègues, voir ce que ça donne au foot. Quelques kilos en moins, bien raffermi. Ouais, c'est vrai que je pensais aussi en complément d'un autre sport, ça peut être bénéfique. Dans n'importe quel sport, je pense que c'est bénéfique. Exactement. En fait, on améliore son cardio, comme on l'a dit, on se tonifie, on améliore ses qualités physiques. C'est ça, et du coup, on va s'améliorer dans son deuxième sport. Exactement. C'est super. C'est vrai qu'aussi, un des bénéfices du programme, c'est la posture. Je me tiens plus droit. Exact. Donc je me sens en forme, donc je bombe le torse. Super. Mais c'est vrai que ça marche bien au niveau de la posture aussi. Et peut-être moins de douleur aussi, ça aussi. On sent le tout, cardio, les muscles, ils sont mieux préparés à un exercice. Franchement, c'est génial. C'est que du positif, encore une fois. Bon, et bien sûr, je vous précise, j'ai pas payé Guillaume pour me dire tout ça. Hein. Tu m'avais dit aussi que dans les séances que tu as faites, les séances du challenge, plus ça passait, plus tu te sentais en forme, plus tu sentais que tu mettais du rythme et plus tu allais vers les variantes un peu plus dures aussi. Donc ça, c'est ce qui t'a monté aussi. On sent la progression avec crescendo, c'est ce qui est bien et on finit par s'épater même. Exactement. Voilà. Donc vous voyez, et tout le monde peut le faire, bien sûr, il faut la bonne méthodologie, il faut faire les bonnes séances, il faut savoir bien manger, etc. Et bien évidemment, il faut être assidu sur vos séances. Mais en tout cas, Guillaume l'a fait, donc il vous a montré que c'était possible. Donc de toute façon, dites-vous bien que dès lors qu'il y a de l'envie, qu'il y a de la volonté, comme Guillaume l'a dit dans l'introduction de cette vidéo, en fait, vous allez vraiment avoir ces bienfaits-là en plus du changement physique, et ça a été le cas pour Guy, parce qu'il n'a loupé aucune séance. Au niveau de l'alimentation, il était super sérieux, donc encore une fois, c'est tout à fait mérité. Alors c'est vrai qu'on change un peu aussi ses habitudes, les mauvaises habitudes aussi, on prend un autre rythme, mais bon, au final, on s'aperçoit qu'on mange mieux et on est bien, donc c'est mieux. C'est un changement de vie qui est favorable. Ouais. Et qui va pas non plus vous couper de toutes vos habitudes ou après, de ce que vous aimez. On peut faire un petit écart de temps en temps, là, le week-end, mais bon, exactement. On tombe le lundi, il faut être sérieux après. Voilà. C'est ça, il faut faire la part des choses, mais en tout cas, on a un équilibre, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et vu que tu es mon frère aussi, forcément, eh ben, ça me fait plaisir de t'orienter vers cette bonne santé. Sûr. En tout cas, donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait challenge. C'est que du bonus. Ouais. Exactement. Du coup, Guy, si je te pose la question suivante, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui souhaiterait entamer une transformation physique comme tu l'as fait, sur 28 jours ou peu importe, mais en tout cas, est-ce que tu aurais quelque chose à lui préconiser en premier, là comme ça? Bon, qu'il soit motivé, forcément. Ouais. Et surtout qu'il n'ait pas peur des courbatures la première semaine. Je dis encore, mais ça l'a traumatisé. Ouais, les deux premières séances, le mercredi, il était off. Mais ensuite, on enchaîne. Même quand on a mal, on enchaîne et on s'aperçoit qu'on y arrive. Bien sûr. Et là, sur les dernières, il y a des postures, elles sont meilleures. L'équilibre, il est meilleur. Il y a des trucs que j'ai doublés. C'est vraiment une progression et même dans le maintien du corps. Donc, génial. En fait, faut pas, on va dire, avoir peur du début. C'est normal que ce soit dur, que ce soit un peu poussif, mais c'est faisable en fait. Faut se faire un peu violence au début, mais après, c'est tout, on enchaîne, on prend du plaisir même. Puis bon, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que forcément, on progresse dans les séances, mais on voit aussi sur la balance, on voit dans la glace, forcément, on se regarde, on peut pas s'empêcher. Bien sûr. Et ça motive. Ça motive et ça encourage à continuer. C'est ça. Ça gomme même un petit peu la difficulté du début au final. Oui. Donc, on peut dire au final que ce challenge a été un petit déclic, si on peut dire. Ça t'a redonné un peu le goût du sport et le goût de faire. Ça a mis le pied à l'étrier, c'est sûr. Je me pensais plus capable de faire du sport et finalement, maintenant, on a envie de continuer. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais essayer toute la semaine de manger, continuer à manger sain.
faire plaisir un peu le week-end. Voilà. Bien sûr. C'est bon. Tu trouves ton équilibre. Je vais garder au moins 2 séances, une haut, une bord. Et puis, peut-être que par la suite, ça sera 4, ou peut-être je vais continuer les 4, je ne sais pas. Mais au minimum, ça sera 2. Ok, donc vous voyez, on ne s'arrête pas là au final. Et bah, là, on discute, et Guillaume vient de me le dire, je l'apprends en même temps que vous, donc ça fait super plaisir. Et ça montre aussi que, bah, voilà, on pratique avec plaisir, et vu tous les bénéfices que ça apporte, ça nous encourage encore une fois à continuer. Ouais, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. En fait, quand... Yes. Non, c'est vrai qu'au début de ce challenge, tu me parlais des vidéos, et moi, je suis pas vraiment réseaux sociaux, donc ouais, bon, ça m'avait un peu perturbé sur le coup, et puis bon, on prend quelques vidéos, et puis ça passe, quoi. Tu t'es pris au jeu, au final. C'est, voilà, on se prend au jeu aussi, c'est sûr. Et ton... puis les encouragements des gens, ça fait plaisir aussi. Hein, ouais, vos encouragements nous ont fait plaisir. Encore donc, une fois, merci voilà, beaucoup merci. À vous. Exactement. Et c'est vrai que ton vlog que tu avais fait sur l'épisode 2, bah, était vachement bien. Il y avait beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Et j'avais bien kiffé, en tout cas. Je pense que vous aussi. Donc, au final, on se surprend tout le temps. Quoi. Ce sera peut-être un futur YouTuber. Ah, peut-être, on sait pas. Mettez en commentaire si on lui crée une chaîne. Et là, tu as 20 000 commentaires. Ah, c'est une explosion. Ouais, ouais, ouais. Ça y est, frérot, terminé le challenge. Exactement. Yes, encore bravo. Fier de toi. Non, on va en trouver un autre. Allez. Bon, allez, maintenant, assez parlé. Comme promis, place à l'avant-après de mon frère Guillaume en 28 jours. Le reveal, on vous laisse voir ça. Donc là, deux faces, super. Super, deux profils ensuite. J'ai même l'impression que la posture, elle s'est bien améliorée. Hein. Hey, les épaules, c'est bon ça, parfait. Profil de l'autre côté et de face. Alors, reste bien de face pour que vraiment on puisse faire la photo avant-après avec la même pose naturelle, sans la congestion, bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait la séance hier et seulement, bah, là, on est samedi, la vidéo avant-après aujourd'hui. Ok, donc là, les mensurations, on a ressorti le mètre ruban. Donc, on démarre par le biceps et on vous affiche directement les mensurations tour de bras, tour de taille, tour de cuisse d'il y a 4 semaines. Et vous allez donc pouvoir voir la comparaison et l'avant-après en tout point, donc avec les mensurations, en plus du physique, en plus du poids, etc. On a fait les choses bien. Ok, donc là, attends, je prends bien en face. On est à 34 cm. Donc, je crois qu'on est à plus 1 cm à revérifier. Plus, ouais, je me souviens plus trop. Mais on a dû prendre un petit peu. De toute façon, ça se voit, hein, musculairement. Je me souviens du ventre, je crois que c'était 102 ou 103. 102 le ventre. Je l'ai, ouais, bien en tête, le ventre. 102 cm. Et ben là, on va directement voir la différence. Hop, je fais le tour. Il y a un moins grand tour à faire, hein, déjà. Je rigole. Première fois, la mine de mire. Donc là, on est pareil. Ok, attends, on va le baisser un petit peu de là pour que ça soit bien, bien pareil. Et on est à 96,5 cm pour être précis, pour ne pas mentir. Franchement, ah, c'est bien. Une super, ouais, diff. Ça fait quoi? Ça fait moins 5 cm, 5, je crois. Ouais. Ouais, c'est génial. Hein. Franchement, on voit vraiment la diff. Super content. Je comprends mieux pourquoi les pantalons maintenant. Exactement, exactement. Il va refaire sa garde-robe, mais là, c'est très parlant et c'est génial. Je suis super content. Et c'était notre objectif un peu prioritaire, le fait de perdre au niveau du ventre. On a d'ailleurs axé le programme sur ça, donc magnifique, parfait, en tout cas. Et on termine avec les cuisses. On avait pris celle-là. Donc, on prend au point le plus haut. Tac, tu tiens ici. Tac. Je prends bien. Là, ici, pareil. Et on est à 59 cm, je crois qu'on était à 57 si je dis pas de bêtises, donc on a aussi pris un petit peu de cuisse, pris du muscle. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait on a séché de manière globale, vu qu'on a bien sûr entraîné l'ensemble du corps évidemment, et en plus de ça on s'est tonifié. Donc malgré la perte de poids, le tour de bras a monté un petit peu, le tour de cuisse un petit peu plus gros aussi, et le tour de ventre, c'était vraiment notre priorité. Ouais. Il a quand même bien rétréci, il a quand même très bien rétréci, donc en tout cas c'est génial. En tout cas, frère, encore bravo. Je te retiens encore. Merci à toi. Et c'est vraiment génial. M'avoir remis dans le droit chemin du sport, c'est bien. Magnifique, ça fait super plaisir. Putain, hé. Et justement, on a aussi envie de vous prouver que Guillaume n'est pas un cas isolé et que s'il l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Vous l'avez vu, il a des contraintes avec son travail, une vie de famille, avec certaines obligations. Il a aussi des habitudes qui n'étaient pas forcément top sur le plan alimentaire. Et pourtant, il a clairement décollé. Grâce encore une fois à sa volonté, aux bons entraînements, aux bons conseils alimentaires aussi. Et le tout était adapté à lui. Alors dès aujourd'hui, on vous annonce que vous pouvez faire comme Guillaume dès le mois de mai, car on lance officiellement le challenge Transformation 28 jours et on le rend accessible
à tous. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, vous allez vivre exactement ce que Guillaume a vécu pendant ces 28 jours et donc ce que vous avez vu durant ces 3 épisodes de la mini-série « Je transforme mon frère en 28 jours ». Vous aurez accès à ces 4 séances, les 4 donc qu'il a suivies sur les 4 semaines et ce, en coaching live, animé et encadré par moi-même donc. Allez, attention, 3, 2, 1, on peut changer direct. Si c'est trop dur, on pose les deux, mais ne reposez pas à 100% les pieds au sol. Encore. Ça brûle. Ouais. Le dos est plat et on tire les coudes. Exactement. 1. Gainage inversé, donc bridge, jambes presque tendues, avec le bassin bien levé et on récupère. On peut marquer une petite seconde de contraction ici. Si on est très à l'aise, je monte de profil. J'inspire, j'expire. 1, 2. Se baser sur le principe du Tabata. Donc 20, 10. Yes, encore. Fais des mini reps ici. 10, 9, allez. 8. On peut écarter un petit peu moins les pieds. 15, 16. Très bien. Et toujours les genoux qui sont sur l'extérieur. Si c'est encore dur, bien évidemment, on a plus d'un tour dans notre sac, vous le savez. Et là, il reste 15 secondes. Allez, allez, encore, encore, encore. On se dépasse, on va jusqu'au bout de l'effort. Récupérer. Et je pense qu'on peut s'applaudir. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Tous les conseils alimentaires que je vais donner directement dans un e-book très complet. On va reprendre les bases de l'alimentation, quoi faire pour bien manger, des exemples de repas en fonction de vous, de vos goûts, ce qui va vous permettre de manger sainement et sans frustration pour être sûr de perdre du gras. Mais ce n'est pas tout, on vous a prévu aussi une recette par semaine, saine, gourmande et facile à faire bien sûr. Même moi qui suis pas un grand cuistot, j'ai réussi à très bien les faire. Des vidéos récap exclusives de Guillaume à chaque fin de semaine dans lesquelles il vous partage ses ressentis, ses progrès, aussi ses difficultés et ce pour vraiment partager le challenge avec vous comme si vous le faisiez en même temps que Guillaume. Et bien sûr, on a encore prévu d'autres contenus écrits ou en vidéo qui vous seront envoyés au fur et à mesure de ce challenge toujours. Notre but, vous accompagner de A à Z, étape par étape et entretenir votre motivation tout au long du challenge jusqu'à votre transformation au bout des 28 jours. Honnêtement, vous avez absolument tout pour vous transformer, pour atteindre tous vos objectifs, que vous recherchiez vraiment une perte de poids ou juste le fait de perdre quelques kilos, en perdant du gras bien sûr, en vous tonifiant. On vous donne vraiment tous les conseils et surtout tous les conseils que j'ai donnés à Guillaume et qui lui ont permis de mener à bien ce challenge comme vous venez de le voir. Selon votre profil et votre point de départ et aussi votre poids de départ, on peut envisager de perdre entre 3 et 6 kilos. Et clairement, en termes de changement physique, vous allez voir la différence, encore une fois, comme pour Guillaume. Mais bien sûr, la condition pour ça et pour réussir, c'est vraiment d'être assidu, de faire les séances, de bien manger, d'avoir cette volonté, encore une fois. Mais si vous l'avez, croyez-moi, vous allez clairement réussir à vous transformer et à changer. Pour être clair aussi, ce challenge s'adresse tout de même moins si vous cherchez à vraiment prendre du muscle, à faire une prise de masse. Là, c'est pas forcément ce qu'il vous faut. Et bien sûr, durant toute la durée du challenge, pour toutes les personnes qui se sont lancées, je m'engage à vous répondre personnellement sur les réseaux sociaux de Scan Training, notamment sur Instagram, mais aussi sur le site internet www.scan-training.fr si vous avez des questions, des doutes, besoin de précision ou autre. Je vous aiderai au mieux avec précision, vous pouvez compter sur moi. Le lien pour accéder au challenge se trouve directement dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, vous verrez encore d'autres détails, d'autres précisions, même si bien sûr, on en a déjà beaucoup parlé et vous savez tout déjà de toute façon si vous avez suivi les 3 vidéos de cette mini-série. Vous pourrez donc démarrer ce challenge dès lundi ou à n'importe quel moment, c'est quand vous êtes prêt. Et pour fêter justement le lancement de ce challenge, on vous offre une réduction de moins 20% sur ce challenge, valable 48 heures uniquement. Alors profitez-en, c'est le moment de changer. Je vous laisse maintenant avec mon frère Guillaume qui avait un petit mot apparemment à me dire, mais aussi et surtout à tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors Guy, on t'écoute. Bien, salut à tous. Merci d'avoir suivi cette série « Je transforme mon frère en 28 jours ». Ça tenait à cœur à Florent de commencer cette série avec moi et en tant que grand frère, ça me tenait à cœur aussi de ne pas le décevoir. Donc moi, je suis content et fier d'être arrivé au bout. On se prend au jeu même. Donc si vous décidez de relever le challenge, soyez sûr et certain qu'on est déjà fier de vous. Puis avec un coach comme Florent, ça pourra que bien se passer. Alors, je vous dis rendez-vous de l'autre côté de l'écran. Soyez sûr qu'on va transpirer, mais on va s'amuser et rigoler. Alors, bye, à bientôt.